mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Ah, ouais.
même si elle t'a fuité. Et l'autre, ça dit, c'est des tout. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et Messieurs les invités, en vos titres et qualités, Supreme Automobile est heureuse de vous accueillir en ce lieu où Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va procéder à l'inauguration de l'usine de montage et des fabrications de carrosseries d'autobus Mercedes-Benz. Cet événement est une grande première dans notre pays. Supreme Automobile vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement pour avoir répondu nombreux à notre invitation dans des vies de vos boutiques d'occupation du week-end. Au nom du personnel et du staff dirigeant de Supreme Automobile, nous en remercie parmi nous. Dès à présent, je vais vous présenter Supreme Automobile. Portons sur la vision de M. Radjé Kiwa. La cérémonie de ce jour marque un tournant décisif dans l'histoire du transport public de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, c'est pour la première fois depuis 1991 que 13 éléments qui ont endeuillé de nombreuses entreprises installées ici même à l'IVT, que l'on voit que l'ambitieux Supreme Automobile lancer un atelier en termes de carrosserie d'autobus dans ce pays, en particulier les autobus Mercedes-Benz. Nos installations sont dédiées à la pointe de la technologie, en leur genre pour l'assemblage d'autobus ici même en RDC. Pour faire sous-en ce tableau, que la République démocratique du Congo aura ses propres autobus Mercedes-Benz haut de gamme. Les bus qui seront livrés sont des bus robustes de marque emblématique Mercedes-Benz
équipé pour affronter les conditions routières de la situation. Suprême Automobile, avec tout son personnel, salue les efforts consentis par le président du groupe AGI, M. Arif, et de son vice-président, M. Sachin, pour la concrétisation de ce projet de développement digne du Congo démocratique, appelé à prendre son envol et économique grâce à l'inclusion du transport public. Suprême Automobile ambitionne également la réalisation des transports urbains, ambulances et des camionnettes de livraison pour célèbre force de force, tout en promettant le luxe, le confort, à même à réconforter une frange importante de leur population. Suprême Automobile s'emploie à importer des Piaggio autotriporteurs, réputés pour leur confort et leur efficacité économique aux conducteurs. En plus de cette cagnotte, Suprême Automobile importe des motos Sanya qui ont l'avantage d'offrir à la population congolaise des produits robustes, économiques, de haute qualité pour le transport local. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages réitérés les plus déférents. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, avec l'assurance du profond respect, c'est les invités en boutique et qualité. Suprême Automobile, ambitieuse dans sa vision de développement dans le secteur du transport, affirme qu'avec la combinaison de tous ses produits mis sur le marché, couple avec les services après-vente, la disponibilité des pièces de l'échange, les mécaniciens formés par les experts, contrats d'entretien annuel, contrats de maintenance complets, des services fiables grâce aux dernières technologies. Suprême Automobile et Mercedes-Benz promettent de faciliter la vie des transports en commun pour la population de la RDC grâce à sa toute première usine d'assemblage Mercedes-Benz en RDC. Je vous remercie. Dès à présent, je vais demander à la régie de nous balancer la vidéo du lancement ainsi que de la présentation du Suprême Automobile. En effet, Suprême Automobile
directrice adjointe vente et marketing du groupe AGI pour présenter Mercedes. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de nos hommages le plus déterrants. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bienvenue encore une fois chez Supreme Automobiles, Mercedes. En effet, Supreme Automobiles et Mercedes-Benz se sont donné le défi de révolutionner l'industrie automobile en République démocratique du Congo dans le secteur du transport en commun. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord de vous présenter nos deux leaders et visionnaires. En premier lieu, nous avons notre président fondateur et visionnaire, M. Arish Jacktani. Avec plus de trois décennies dans le continent africain, plus précisément en RDC, Arish Jacktani est un philanthrope, un visionnaire, un leader qui croit en l'encouragement, l'amélioration et la responsabilisation de son équipe. M. Jacktani est un produit du travail acharné, de la persistance et de la persévérance. Un Congo qui fait de lui aujourd'hui une marque déposée en République démocratique du Congo. Avec des sociétés comme Cerber, Modern Construction, AG Hospital, AG Pharma, 76 Tours and Travels, tous ces exemples de réussite dans leur domaine respectif font de M. Arish Jacktani un modèle de succès. C'est d'une perspicacité hors pair qui, grâce à une équipe solide, continue de maintenir ce navire à flot. Avec plus de trois décennies d'expérience en République démocratique du Congo, M. Sachine est l'épine dorsale de cette entreprise depuis le premier jour. Grâce à son raisonnement logique, son sens aigu des affaires, sa pensée analytique, il a contribué et continue de jouer un rôle majeur dans le succès du groupe d'entreprise AGI. Voilà pour nos deux leaders et visionnaires. Mais, à présent, revenons à pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Ce faire, nous avons commencé par répertorier les besoins de l'or dans la population de la République démocratique du Congo dans le secteur du transport public. Et nous les avons subdivisés en six catégories. La population de la République démocratique du Congo a besoin d'un mode de transport rentable. Les problèmes d'embouteillage dus à des pannes soudaines des vieux véhicules a besoin d'être traités. Nous avons besoin de gagner plus de temps en se déplaçant et la sécurité de nos proches ne devrait pas être compromise. Nous avons besoin d'un environnement sans pollution pour une vie plus saine et se déplacer sans tracas dans nos villes. Et pour répondre à ces besoins, nous avons ici, pour vous, la solution. Nous sommes Supreme Automobile, Mercedes-Benz. Et Mercedes-Benz ont répondu présent. Notre apport pour la population de la RDC sont un mode de transport confortable et sécurisé, des pièces de rechange disponibles en République démocratique, un environnement sans pollution, des meilleurs services après-vente, l'assurance de déplacement paisible et sans tracas, le meilleur rapport qualité-prix, enfin et surtout, la création d'emplois pour plus de 500 personnes résidant en RDC. Nos propositions de vente qui nous rendent uniques sont Nous avons des machines et équipements à la fine pointe de la technologie. Tout notre personnel a été formé par des entreprises internationales. Notre cabine de peinture ainsi que notre test d'étanchéité sont à la pointe de la technologie.
nous offrant une disponibilité de pièces de réchange à des prix imbattables et abordables. Nous offrons aussi des options AMC et CMC disponibles. Supreme Automobile est ici et assemble localement de bus Mercedes-Benz à la norme, au confort et au luxe et au rapport qualité-prix imbattable. Pourquoi et comment sommes-nous les meilleurs? Nos bus viennent avec une garantie de plus de 12 mois. Notre capacité moteur est de 6400 cc, avec une puissance maximum de 230 chevaux. Notre boîte de vitesse est de marque Mercedes-Benz G85. La capacité de réservoir de carburant est de 380 litres. À présent, permettez-moi de vous présenter les différents variants de bus Mercedes-Benz que nous allons produire ici même à Supreme Automobile. Nous avons le modèle 917 et le modèle 1723. Tous capables de fournir de transport personnel et de transport public. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de nos hommages les plus déférents réitérés. Excellences, Monsieur et Mesdames membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, voilà, nous y sommes. Supreme Automobile vous présente l'usine d'assemblage de carrosserie de bus Mercedes-Benz en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Dès à présent, je vais demander à l'équipe technique de pouvoir faire la projection de la vidéo du lancement de Supreme Automobile. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, permettez-moi de commencer par dire que ça fait 30 ans, Excellence. C'est donc normal que les instruments aient pris de la ruine. Je voudrais que nous puissions encourager les techniciens qui n'ont pas attendu 30 ans pour rétablir l'instrumentation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre ici représenté, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame et Messieurs les bourgmestres des communes, Monsieur le directeur général du groupe HG, Monsieur Claudio Sidman, CEO de Mercedes-Benz. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, à son accession à la magistrature suprême, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici présent, a engagé la République démocratique du Congo dans une série de réformes visant la refondation de l'État congolais. Parmi ces réformes, il y a la requalification des politiques publiques qui
secteur productif et porteur de croissance. C'est ici les lieux pour moi de réitérer mes hommages mérités à votre excellence pour avoir identifié le secteur de l'industrie comme l'un des moteurs de développement et de la croissance inclusive et résiliente de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour, consistant à l'inauguration d'une usine de montage d'une gamme d'automobiles, s'inscrit donc dans la droite ligne de votre vision, celle de restituer à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous avons encore vive à l'esprit l'ampleur des dégâts matériels que les différents événements malheureux et tragiques des années 90 ont causés à travers le pays, spécialement dans le secteur de l'industrie. Le pillage des biens et des unités de production a plongé le pays, surtout la capitale Kinshasa, dans la désindustrialisation. Nombreuses usines qui fonctionnaient ont dû fermer leurs portes et la plupart ont été délocalisées en dehors du pays. Les statistiques ont renseigné qu'il n'a resté près que 525 industries lorsque vous avez accédé à la magistrature suprême contre plus de 9600 unités industrielles à l'indépendance. Soucieux de matérialiser la vision qui est la vôtre, Excellence, le gouvernement, dirigé par son Excellence Jean-Michel Samalukonde, s'est activé à la refondation d'un État moderne avec une économie émergente à travers les plans directeurs d'industrialisation adoptés à Conseil des ministres en juillet 2021. Ces plans, comme vous l'avez rappelé dans votre premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, répartit la République démocratique du Congo en 6 espaces industriels, chacun d'eux ayant une orientation industrielle suivant les profils économiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de redonner à titre illustratif à la commune de limiter sa vraie identité des zones industrielles. Que sous-attend les nominatifs limités industriels et ceux en dehors de la politique des zones économiques spéciales qui vous est très chère, vous avez engagé le pays, la République démocratique du Congo, sur plusieurs chantiers, dont celui de l'automobile. Par votre diplomatie économique, vous rendez de plus en plus notre pays attractif, notre pays fréquentable, et donc notre pays comme désormais une meilleure destination, et c'est encore les baromètres sur le climat des affaires que vous avez animé il y a quelques temps. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, vous avez besoin de rappeler à la bienveillante attention de l'Office d'assistance que la République démocratique du Congo a une expérience dans ce secteur automobile avec à l'époque toutes les sociétés automobiles, notamment Iveco, agence zaïroise de distribution automobile, ASDA, Industrie nationale zaïroise d'automobile, England, Nizal, General Motors, Renault, Cyclo, dans le montage des vélos, et tant d'autres, mais qui, presque toutes, ont cessé leurs activités en République démocratique du Congo ou se sont délocalisées ailleurs. Aujourd'hui, Excellence, 30 ans après, sous votre leadership transformationnel, notre joie est immense, celle de voir ce secteur qui est l'un des fleurons de l'industrie
congolaise enfin relancée au regard de ce qu'il va apporter à l'économie nationale, car l'objectif que vise le gouvernement de la République est de limiter sensiblement les importations par la production locale, ainsi ramener les devises au pays. La facture d'importation, comme vous l'avez cessé de dire, pèse lourdement sur l'économie nationale. C'est là que le plan directeur de fiscalisation propose, sous votre leadership, un nouveau modèle économique basé sur la transformation locale par opposition à l'ancien modèle économique tourné vers l'extérieur et favorisant la fuite des capitaux. Ainsi, ayant saisi la mesure des enjeux et des défis, le gouvernement tient fermement à capter les différents marchés tant intérieurs qu'extérieurs pour récupérer les devises en faveur de notre pays et ainsi accélérer son émergence. Ceci passe par la vente, comme vous l'avez si bien suivi à travers la vidéo, des bus et autres types de véhicules de la Société Suprême Automobile qui compte mettre à la disposition des consommateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des produits désormais made in Congo. C'est ici enfin pour moi l'occasion de saluer et d'encourager le groupe HJ qui, à travers les activités de son usine, va créer beaucoup d'emplois avec l'assemblage des véhicules ici à Kinshasa, des marques Mercedes-Benz, la fourniture des pièces de rechange et beaucoup d'autres gammes telles que cela vient d'être dit tout à l'heure. Ainsi, avec mon collègue des transports, nous nous proposons donc de pouvoir renouveler les parcs automobiles de Kinshasa et de l'ensemble du pays pour lui donner une nouvelle Europe et ainsi chasser définitivement les esprits des morts qui circulent à travers les artères de la République. Toutes ces activités s'inscrivent dans la politique de nos deux ministères qui consiste à appuyer l'industrie locale avec le label Made in Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous n'avez cessé de le dire, je voudrais partager ce que vous dites régulièrement en reprenant la phrase de Gustave Le Bon, je cite, « Volonté le plus fort s'exprime par les actions ». Je vous remercie. Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Manager du groupe HJ, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités du protocole observé. À l'entame de mon propos, il me paraît plus indiqué de rendre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les hommages les plus différents, non pas en guise de formule protocolaire, mais pour célébrer sa vision dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Je tiens aussi à vous remercier tout distingué, chacun en considération, pour la promptitude avec laquelle vous avez tenu à honorer la République en acceptant de rehausser de votre présence la manifestation de ces jours, consacrée essentiellement au lancement par la plus haute autorité du pays de l'usine de montage des bus Benz en République démocratique du Congo. Sauf également à moi l'occasion de saluer le leadership de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge dans sa détermination à matérialiser sans désemparer la politique gouvernementale globale par des actions sectorielles concrètes.
De même, va-t-il exprimer toute ma gratitude aux différentes autorités ici présentes ou représentées qui n'aménagent aucun effort pour accompagner, chacun dans son secteur, la vision claire du chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités. La journée d'aujourd'hui rentre dans les annales indélébiles de l'histoire de notre pays. Car sans nul doute, vous écrivez en lettres d'or un chapitre clé dans l'histoire des temps de l'industrie et du transport en République démocratique du Congo, prenant en compte surtout les caractères essentiels du déplacement de la population, notamment par bus, dans notre pays en général et dans la ville province de Kinshasa en particulier. Dans les credos de votre autorité incarnée par le peuple d'abord, qui paraît comme un identifiant de votre action politique, vous avez clairement instruit mon ministère dans le sous-secteur routier de changer de paradigme par le déploiement de bus transco à travers les provinces. Cette instruction, il fallait associer la politique canalisatrice devant permettre sa pérennité, ce qui revient à exiger la disponibilité permanente des bus, chose désormais garantie. Il est certes vrai que la Société Suprême Automobile n'a pas vocation à ne monter le bus que pour l'établissement public Transco, mais il faut relever déjà a priori que ces derniers en est déjà un des principaux bénéficiaires. Silence, Monsieur le Président de la République. Il vous souviendra qu'à l'avènement de votre haute autorité à la magistrature suprême, mon ministère a conclu avec CRR du groupe HJ un contrat de commande de 230 bus en faveur du transport qui devait être monté localement à Kinshasa en accordant, bien entendu, un certain nombre de facilités à cette société. Dans la phase pré-expérimentale, Excellences, Monsieur le Président, quelques bus de Transco sont déjà montés. Dans ce même registre, dans les tout prochains jours, la Société Suprême Automobile s'employera à renouveler les charrois automobiles de tous les vieux bus et taxibus existants en République démocratique du Congo. Je l'ai déjà dit, mais je me permets d'insister. Suprême Automobile est ouverte à toutes les commandes, locales, nationales et étrangères, mais Transco en tirera de grands avantages. Pour preuve, les entretiens et réparations, c'est les fonctions à la tête du ministère des Transports, voie de communication et des Environnements. Nous nous inspirons de ces modèles en exigeant les divers partenaires qui frappent à notre porte ou proposer des bus d'installer plutôt des usines de montage au Congo avec en filigrane tous les effets induits. Aujourd'hui, Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est un jour d'action et non pas de parole. L'action consiste pour votre très haute autorité à doter le pays de cette usine qui redonne à la commune de Limité qui nous accueille son caractère industriel. Avec l'expression de mes hommages les plus réitérés, je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence Monsieur le Président de la République à procéder à l'inauguration de la première usine de montage des véhicules Mercedes-Benz. Dans cette étape, le chef de l'État sera accompagné de l'honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, président du Conseil économique et social, les ministres membres du gouvernement, le directeur de cabinet du chef de l'État, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, monsieur le secrétaire général de l'UDPS et les responsables de la société. Les autres invités sont priés de rester à la tribune tout en suivant les consignes. Thank you.
Thank you.
Je crois que bon matin, Kamamba. Caméraman a zoté pour la chef en guerre, chef. J'espère qu'il se passe mon en place, mais qui est. Kamamba, moi c'est greffé dans la chef. Là, il est placé, s'il te plaît. Sinon, t'es. Et là, on a dit, on se Malonga. Monsieur Didier, maintenant nous sommes en train de vous. Il ne faut pas me déranger quand même. On prend dans cette paix, c'est bien. Ambassadeur. Monsieur Bagan Kawati. Et ton Afrique. Comme qui a libéré l'Afrique. Mais la période, c'est là où on a vu la télévision.